Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Benoît qui va nous présenter une Audi TT RS, mais qui a en fait un moteur 5 cylindres, c'est ça? C'est ça. De quelle année elle est? Elle est de 2017. Pour l'instant, ce sont les dernières ou vous en avez sorti encore des nouvelles? C'est les phases 1, celle-là. Et du coup, il y a des phases 2 qui sont arrivées en 2019 avec des femmes. C'est quelle couleur d'ailleurs? C'est du Grinardo. Grinardo, c'est que sur les Audi qu'on les retrouve? Non, plus maintenant. Malheureusement, c'est plus une couleur sacrée Audi. Ce que je dois dire dans un premier temps, là, quand on voit cette Audi TT RS, c'est quand on la regarde de face, bah c'est très pointu, c'est très agressif. Hein. Très agressif. Ouais, et j'aime beaucoup aussi la signature lumineuse avec les... C'est des bandes LED. Ouais, c'est des matrix LED. Petit détail, donc c'est un système quattro. Hein. C'est ça. Quatre roues motrices permanentes? Non, 70 à l'avant et 30% à l'arrière. Ce qui est également impressionnant sur cette voiture, c'est la taille des disques. On est sur du freinage 4 pistons. Hein. 8. Non! C'est du 8 pistons, c'est celle-là. 8 pistons? Ouais. Waouh! Mais tu dois avoir un freinage d'enfer, non? Ouais, c'est sympa. Et endurant? Malheureusement, non, freinage Audi, pas très endurant. Enfin, avec la prépa. D'origine, on m'a dit c'était pas mal. Donc, du disque 370 mm, 8 pistons. L'étrier, de toute façon, on le voit, hein, il est vraiment énorme. On a des jantes en combien? Du 20 pouces, en option. Bah, 20 pouces, tu vois, c'est une taille qui est importante, mais je trouve que sur cette TTRS, ça fait pas forcément trop gros, ça lui va très bien. Non, ça se camoufle bien, c'est pas mal. Alors Benoît, pour nous parler des modifications esthétiques dans un premier temps, qu'est-ce que tu as fait dessus? J'ai juste mis des logos noirs chez Audi, vitres teintées. Ils étaient déjà teintés, mais je les ai reteintés pour que ça soit bien foncé à l'arrière surtout. Et j'ai mis une petite trappe à essence chez un carrossier pour la peindre en noir, parce que j'aime pas l'alu, j'aime pas trop. Le noir lui va bien, parce que ça fait un rappel avec le diffuseur et puis tes logos. Autre chose? Non, moi je l'ai acheté comme ça après. Oui, je vois un truc là qui est quand même assez, assez imposant. Hein. C'est pas d'origine ça? Si. Non. Ça c'est d'origine ça. Non, ça c'est le diamètre d'origine. Oui, c'est le diamètre de la ligne RS, oui. J'ai l'impression que c'est même encore plus gros que sur la Focus RS MK2. Je sais pas. Vu que c'est rond et là c'est ovale. Ouais, voilà, c'est ça. Ceux-là sont plus aplatis, ovales contre rond pour la Focus. Donc les mesures sont différentes. Ouais. C'est d'origine, hein, ce diffuseur avec les petites lames. C'est très joli. Hein. Bah, c'est comme l'avant en fait. Même quand tu la regardes de l'arrière, la voiture elle a vraiment un profil très agressif. Hein. Le plus important, c'est certainement ce qui se cache sous le capot. Parce qu'on a 400 chevaux d'origine et là on en a combien? Là, on en a 560. 560. Avec un petit stage. Hein. Un petit. Et voilà le cœur de la bête. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est d'origine en rouge? Oui. Donc un stage. Hein. Oui, un stage, hein, plus. Plus, ouais. Elle a quelques pièces. Donc? Elle a une admission forge et un gros échangeur forge. Quand tu fais juste un stage, hein, sans ajouter de la pièce, t'as un gain de combien de chevaux à peu près? J'ai vu, tu montes à 540 en éthanol. Parce que moi, je suis en éthanol aussi. Parce que sinon, sans éthanol, tu montes à 480. Ça veut dire que tu achètes la voiture, tu fais juste une reprogrammation de cartographie, tu gagnes 80 chevaux. C'est ça. Ouais, t'as quand même un gain qui est... Ouais, un gain plutôt acceptable. J'ai une map 98 d'origine, une map 98 stage 1, une map éthanol d'origine, une map éthanol stage 1, et il y a une carto pour verrouiller le véhicule. Hey, je suis vachement impressionné par la taille de la boîte à air. Hein. Ouais, c'est d'origine. Là, il y a les refroidisseurs de la boîte. Ouais. À droite et à gauche. Et t'as des prises d'air qui sont vraiment très importantes. Ça, c'est très bon pour le refroidissement des pièces moteurs. Hein. C'est ça. Elle se gave d'air frais, la voiture. Ça, c'est vraiment un très bon point. Parce que je suppose que c'est quand même des moteurs qui chauffent beaucoup. Hein. Oui, ça chauffe pas mal. Ouais, c'est un peu le cas également sur la Focus. 560 chevaux et combien de newton-mètres? Ça fait 760. Tu sais que je crois que c'est avec la voiture dans laquelle je vais monter qui aura le plus de newton-mètres. D'origine, il y a combien de newton-mètres? Il y en a 500, 480. Il y a un gain qui est quand même incroyable avec ton stage en plus, hein, quand même. Hein. Tu gagnes 300 newton-mètres. Oui. Ça doit complètement changer le comportement de la voiture. Stage 2, il faudrait juste que tu retires le kata. Et un litre de turbo. Et ça te ferait gagner combien de chevaux encore? Je monterais à 620. 620? Mais c'est quoi ces moteurs? Mais ils prêtent des puissances folles. Généralement, tu sais, entre le stage 1 et le stage 2, il n'y a pas un gap très important. C'est plus le stage 2, stage 3 où tu as un gap qui redevient important. Et c'est des moteurs qui sont fiables, ça? Oui, très fiables. Très fiables. Le bloc moteur, pour le casser, il faut y aller. Puis la deuxième partie qui est intéressante sur ces voitures, franchement, faut le dire, c'est l'intérieur. Les sièges sont absolument sublimes. C'est quoi? C'est du réel cuir, hein? Oui, c'est ça. Et puis c'est très joli, là, en mosaïque, ouais, là. Et avec les surpiqûres aussi rouges, et le rappel du RS. Ouais. Les coques derrière, ah non, tu vois, j'aurais pensé qu'ils auraient fait l'intégralité de la coque à l'arrière dans cette matière. Je vais m'installer. Ils englobent bien quand même? Oui, ils englobent très bien. Ouais, oui, ça va? Parce qu'il y a les. Ça gonfle au niveau des lambert. J'ai vraiment l'impression d'avoir une assise où j'ai le fessier en fait qui est bien en arrière. Donc du coup, on est bien maintenu, ouais, tu vois. C'est vraiment magnifique l'intérieur. C'est quoi? C'est du carbone tout ça?
Non, malheureusement, on m'a dit un monsieur qui fait du carbone, parce que je voulais du volant, un volant carbone, il m'a dit c'est du film Audi. Bah écoute, je vais te dire un truc, il est super bien imité. Ah oui, il est super bien. Parce que moi, honnêtement, je pensais que c'était du vrai. Hein. Ouais. Boîte automatique, ils l'ont proposé en manuel? Non, pas celle-là. C'est une boîte 6, 7, 7. Ouais, et puis pareil, c'est génial d'avoir l'affichage intégral ici. J'imagine que quand tu mets ton GPS, pareil, ça s'affiche ouais, ici. Ouais, ça s'affiche ici, oui. Ah ouais, oh là là, et le contour au centre, c'est tout simplement génial, quoi. Puis ce volant, mais regarde-moi ça, quoi, avec un... Ah, le méplat est très, 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 très bien marqué, avec des touches d'Alcantara. C'est d'origine aussi, les oui, Alcantara, sur le côté. C'est d'origine, oui. Les surpiqûres, le rappel RS, le start engine, ah ouais, c'est... Des petites palettes aussi. Ouais, les petites palettes, ouais. C'est un intérieur qui est absolument magnifique. Même au niveau de la console centrale, hein. Franchement, c'est très 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 joli. Avec les prises d'air, c'est marrant parce que ça, je croyais que c'était des manos tout à l'heure. De loin, hein, je précise, mais en fait, ça t'affiche des températures, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Par contre, on est dans un environnement assez ouais, restreint. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et puis à l'arrière, on a de la place. On peut mettre 1m60 max en hauteur. On retrouve de l'Alcantara ici également. Oui. Alcantara ici et sur le pommeau. Et sur le pommeau, ah ouais, le petit détail qui est sympa, avec le rappel du RS juste au-dessus. J'aime beaucoup. Tu nous la démarres? Alors il y a une ligne, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Non. Toutes d'origine. Non. Là, non. Juste hier, on a supprimé les clapets parce que je les ai cramés, mais du coup, la ligne est toute d'origine. Attends, parce que je t'ai entendu derrière moi tout à l'heure, là, quand on se suivait. Donc c'est d'origine le bruit que ça oui, fait là? C'est d'origine. C'est... Bon, on ne l'a pas encore entendu le son, mais c'est pour ça que du coup, que t'as pas mis de ligne? Non, parce que, c'est... Parce que d'origine, c'est pas mal ou pourquoi? Non, moi je vais remettre une ligne. Attends, ça c'est d'origine. Ouais, c'est d'origine. Mais non, mais sérieux, c'est... Mais ça donnerait quoi avec une ligne en fait? Je sais pas, mais je verrais bien. Voilà, on est bien derrière. Je te dirai ça. Tu fais combien de temps Écoute, c'est 20 minutes. C'est en principe, tu devrais survivre. 3h30. Non, mais là, t'as l'air bien installé. Non, pour l'instant, mais dès que je vais accélérer, ça va être différent. Là, tu peux reculer un peu ton siège, là, tu m'as l'air quand même vachement avancé. Ah ouais? Bon attends, en plus je suis pas très bien à l'aise. Non, par contre évite de faire ça parce que j'ai le genou entre la main. Eh, par contre les vitres teintées, tout de suite là, on est dans vraiment beaucoup plus sombre. Ouais, il y a Romain qui te passe le bonjour. Bah écoute, également. Ouais, du coup Benoît, pourquoi t'être dirigé sur ce modèle? Parce que moi c'est mon délit. Et du coup je préfère une voiture sécuritaire, enfin sécurisée plutôt qu'une propulsion, ce que je préfère BM quand même. Mais une propulsion tous les jours, l'hiver, tout ça, c'est vrai. C'est pas possible. Ouais, bah 4 motrices, c'est une valeur sûre. Ah oui. De toute façon, ça accroche le pavé et puis t'as de l'adhérence en permanence. C'est ça. Et quasiment par tous les temps. Ouais, c'est ça. La suspension est d'origine, hein. Oui, avec les Magnetic Ride. Donc c'est piloté. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle est pratiquement full option, il manque juste le front assist. Ouais. Et les coques carbone sur les rétros. Elle doit être bien optionnée, hein, parce qu'on sait comment ça se passe chez les Allemands. Ah, ouais. Généralement. Il y a de l'option à perte de vue. Pour parler prix d'ailleurs, ça vaut combien ça? Ça vaut environ 50 000 euros. Ouais. C'est... Aujourd'hui ça a vachement baissé. Hein, parce ouais. que le prix à neuf est doublé. Oui. Ouais, facile. Ouais. Et je te confirme qu'on est bien dans les sièges. Ouais, on est bien, ouais. Je me vois bien faire de la route, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai fait 400 bandes pour l'amener de. Bah, allez, je suis allé chercher à Clermont-Ferrand et franchement, ça va. Bon, ça va, ça fait pas trop de bruit d'intérieur. Non. Je m'attendais à plus. Hein, non, ça va. Tant qu'on conduit doucement, ça va. Ouais. Au niveau des modes de conduite, qu'est-ce que t'as dessus? J'ai le confort, auto, dynamique, individuel. Confort, c'est beaucoup plus souple. Ouais. Niveau des suspensions, la boîte, tout ça. En auto, ça se gère automatiquement, mais c'est par rapport à la moyenne de comment tu conduis. Mais bon, je trouve c'est un peu inutile. Mais bref, dynamique, bon, bah, c'est le côté un peu plus violent. Ouais. Un peu plus sympa. Et individuel, c'est les réglages qu'on choisit. Donc on peut considérer en fait le mode dynamique au mode sport. Ouais, c'est ça. Ce que j'avais pas dit, c'est que la boîte elle a un stage 4. C'est le stage le plus évolué. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai plutôt. Pratiquement. D'origine, elle supporte les 500 Nm. Avec le stage 4, elle supporte les 800 avec l'embrayage. Ouais. Et si je veux plus, il faut un embrayage renforcé ouais. pour supporter les 1000. Et après, bah, il faut renforcer la boîte. Les 1000 Nm. Et puis du coup, si tu veux nous montrer une première reprise avec un bon freinage derrière, parce que je suis quand même curieux de voir comment ça freine ces 8 pistons. Je l'ai vu poser son téléphone. Je t'ai vu. Oh là là.
ça marche. Purée. C'est impressionnant, hein. Très impressionnant. J'adore ces sensations procurées par les quatre roues motrices. Ouais, ça accroche tout le sol. Ah, tu sens que ça accroche, ça bouffe le bitume. C'est ça. Et ça envoie du pâté. Ça se lève. Les rotos. Ouais, ça se lève. À l'arrière. D'origine, ce truc-là. C'est n'importe quoi. Mais il y a un mode, tu fais comment? Tu l'actives ou il y a un régime? Non, c'est... Dès que je me mets en M. Et oui, c'est au régime, c'est après 3000 tours, sinon il n'y a rien. Parler de toi, ça fait 8500 avec le plan. Ah, ça va, c'est pas non plus. Non, c'est pas. Choquant. 0 à 100 est donné en combien de temps? En 3 secondes. 3 secondes 3, avec les prépas. D'origine, a fait 3 secondes 7. Stage 2, ça passe en 3 secondes. T'as senti une grosse différence entre les 400 chevaux et les 560? Oui. Énorme, vraiment? Oui, déjà remis la carte d'origine, c'était pas pareil. T'as l'impression que ça avance pas. Y a pas de poussée, y a rien, c'est linéaire, c'est. J'aurais bien aimé voir avec la carte d'origine ce que ça fait les 400 chevaux. Ah, moi je peux la mettre. Hein. Bah, je. Ouais, ça c'est. Mais faut s'arrêter. Bon, tu survis pour l'instant? Ouais, je suis calé. Ça va? Ça va? Bah, du coup, tu sens que je te pousse quand tu fais. Ouais. C'est une voiture d'égoïste, hein. Pourquoi? Ouais. Mais oh, direct les grands mots. Là, on est d'origine éthanol. Donc, je sais pas combien de chevaux ça sort. Ouais, ça marche déjà bien, hein. Ça se déplace, hein. Ouais, mais ouais, on sent quand même une bonne différence. Hein. Et avant qu'il pleuve trop, j'aimerais bien qu'on s'arrête une nouvelle fois, qu'on se remette en carte 560 et qu'on fasse un petit démarrage. Petite marre, t'as peur de finir dans le coffre, toi? Dans le coffre. Même avec ta carte, là, t'arrives quand même à faire un peu passer la puissance au sol en 2 et 3 quand il pleut ou pas? Oui. Ouais, ça passe. C'est la 2 qui commence à être un peu juste, mais après la 3 ça va. Toi, t'avais quoi avant d'ailleurs comme voiture? J'avais un E46 330CI. Ah oui, ça change. C'est les 231, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est cylindre en ligne 3 litres. Ah, j'aime beaucoup, moi, la génération E46. Ouais, c'est des très belles voitures. Bah, tu mets ça en M3, je suis le roi. Hein. D'ailleurs, j'avais pas mal hésité entre ça et la Focus. Là, j'en reviens toujours pas à quel point c'est silencieux quand tu roules en mode cruise tranquillement. En délice, c'est parfait. Ouais, bon, mis à part que ça consomme un peu, après, t'es à l'éthanol. Donc, ouais. Un plein te fait combien de kilomètres? Entre 250 et 300. T'as un réservoir de 20 litres ou quoi? Non, pourtant, c'est un grand réservoir, c'est un 55 litres. Ouais, c'est une taille assez honnête, je dirais. Après, il faut prendre aussi en compte que tu vois à l'éthanol, donc t'as potentiellement un petit 20% de consommation en plus. Hey, mais le problème, en fait, c'est que le jour où tu vas changer de voiture, tu vas prendre quoi? Parce que là, faut taper dans du gros, hein, après. Hein. Donc là, on est revenu sur la carte la plus hard. Hein. Je prends ma respiration. C'est sympa ça! Waouh! 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 Wow. Ça remonte les tripes! Mais non. Non. C'est toi qui paye l'embrayage? Ouais, ouais. Parce que j'imagine que c'est pas bon là de faire ça. Là. Non, après, après, une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais tout à l'heure, c'était plus impressionnant que là. Hein. J'ai eu peut-être plus de sensations au lunch. Toi, derrière, t'avais plus de sensations quand t'avais déjà lancé et qu'il tape dedans. Je suis pas un petit peu, ouais. Là, après, toi du coup Benoît là, donc la voiture rappelle-nous, tu l'as depuis combien de temps à peu près? Ça fait 2 mois. C'est quelques mois d'utilisation du coup là pour nous donner les plus et les moins. Ah franchement les plus très agréable à conduire, la boîte est très bonne. Après moins non je trouve pas de moins. Ouais, pas de moins. Après il peut ne pas de ouais, pas y avoir. Non, hein, pour l'instant moi elle est parfaite. Bon t'as mis les sièges chauffants là? Non. Non. Il fait chaud là chez moi. À moins que ça t'appuie avec ton téléphone. Ouais, t'as appuyé. Bah voilà. Non, bah moi de mon côté, pour donner les... Je sens qu'il va faire le démon, là, non? Je patine en froid. Ouais, non, là, on a senti que l'adhérence est certainement un peu... Mais on dirait pas qu'il y a un mec qui tape dans le coffre. Ah, laissez-moi sortir. Non, bah moi, du coup, Benoît, là, pour donner les plus et les moins sur cette TTRS, bah, ce que j'aime, c'est la gueule avant tout. Au-delà même du 5 cylindres, c'est ultra agressif quand tu la regardes, comme on le disait en début de vidéo,
c'est très travaillé, c'est pointu. L'intérieur est ultra bien fini, les matériaux sont de qualité. Ouais. Non, non, c'est vraiment une très 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 belle voiture sur la partie esthétique. Deuxième point très positif, on est sur du moteur 5 cylindres. Et c'est cool même qu'en 2017 et donc en 2019, ils continuent de nous proposer des moteurs 5 cylindres. Et 2021, parce que le RS3, il est en 5 cylindres encore. Avec une partie hybride ou pas ? Non. Non ? Ah, ça, c'est cool. Il est beaucoup plus joueur. Autre point positif, on a le potentiel de prépa qui est absolument énorme sur cette voiture. Tu nous précisais que le bloc était fiable et qu'il pouvait encaisser jusqu'à 700 chevaux sans être forgé. C'est ça. Donc ça aussi, c'est vraiment super. Et au niveau des points négatifs, écoute, je vais te demander de l'aide. Parce que franchement, la voiture, elle est très, très réussie, je trouve. Hein. J'aurais du mal à lui trouver un point négatif. J'ai même envie de dire qu'il faudrait chipoter. Tu sais quoi, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas du vrai carbone. Ouais, voilà. Allez, ouais, ils auraient peut-être pu proposer tout de même une boîte mécanique pour le côté sensation, même si les sensations procurées sont excellentes. Mais non, super voiture. Bon, bah, du coup, merci les gars d'être venus. Hein, merci à toi. Toi de la défense. Bon, toi, c'était un petit peu moins là pour le coup. D'un côté. Et on se dit à la prochaine pour potentiellement une future vidéo. Ça marche. Bon, bah, salut tout le monde. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.